Nous attendons avec anxiété et espoir à la fois vos réponses. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? La Corse est-elle une colonie? La Corse doit-elle être décolonisée? Faut-il créer des milliers d'emplois pour les jeunes Corses? Faut-il donner à notre langue et à notre culture tous les moyens techniques de leur sauvetage et de leur promotion? Êtes-vous prêt à assumer la lutte dure, inégale à nos côtés? Êtes-vous prêt à déclencher des grèves et des manifestations de soutien si on nous emprisonne? Êtes-vous prêt à continuer une lutte sans merci si on nous tue? La clarté, la vigueur, l'ampleur, la foi de vos réponses ne sont pas une surprise pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans grandiloquence inutile, que nous avons pris rendez-vous avec l'histoire. 5h33. Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse occupent toujours à Aléria la cave viticole d'un pied noir, Henri de Peille. Ces manifestants corses qui se réclament de l'ARC, l'action pour la renaissance de la Corse, veulent, semble-t-il, relancer les mouvements autonomistes qui ont été passablement désarmés par l'action de M. Liberbou. Dimmela tu, homo di Attar, tu radi cannodatta, dimmela, o varro di asotto missione che pesa ancora da te, tu che ha campato, forte, come una pietra bianca, povero, come povera è la miseria, muto, come il povero è muto, ma corso, come il corso non è più. Dimmela, tu uomo di Attar, causa di amirotta, dimmela. Il est inadmissible que dans ce département, j'allais dire dans cette colonie, alors que la consommation annuelle de sucre est de l'ordre d'environ 5000 tonnes par an pour les besoins familiaux, depuis une décennie, on assiste à des importations oscillant entre 18 et 20 000 tonnes. Sans préjudice d'un très gros scandale à l'heure actuelle, où toutes les mauvaises pratiques bancaires, cavalerie, escompte bidon, société, écran se retrouvent pour couvrir quelques individus aux passifs extrêmement lourds, sous le couvert de l'administration qui essaie d'enrayer les scandales. Thank you.
bien, je pense que quand on est en légitime défense, on a tous les droits. Quand on est responsable, qu'on a le sens aigu des responsabilités, nous en avons toujours témoigné. Il n'y a absolument aucun esprit de provocation. Elle ne serait pas notre fête. Il n'y a aucun esprit d'aventurisme. Mais il y a une volonté ferme, désormais, de ne plus céder un seul pouce. Les forces de l'ordre donnent l'assaut à la cave vinicole occupée par 50 agriculteurs autonomistes, bilan 2 gendarmes tués, 4 autres et un agriculteur blessé. Le docteur Simeoni, porte-parole de l'action régionaliste Corse, se constitue prisonnier. La première chose, je pense, c'est qu'il faut s'incliner devant les victimes de part et d'autre. Elles sont les victimes inutiles d'une lutte injuste. Pour notre part, le combat politique commence et je pense que cette lutte aura l'avantage de cristalliser l'opinion publique sur des scandales que l'on a voulu étouffer. J'ai fait mon devoir, je vais continuer à le faire, je n'ai pas l'intention de me dérober à mes responsabilités, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Mais aussi un à Marseille et un à Nice. Tous ces attentats ont été revendiqués par le Front National de Libération, un mouvement clandestin jusque-là inconnu. C'est un mouvement extrémiste qui déclare vouloir libérer la Corse de la domination française. La nuit chaude en Corse, Éric Gilbert. Un véritable chapelet d'explosifs. Les plastiqueurs ont frappé entre minuit et 2 heures à Ajaccio, Bastia, Corte, Ghisonac. Chaque fois, ils ont utilisé de grosses charges. Il n'y a pas eu de victimes, mais partout des dégâts. Les